La voix de Dieu se fait entendre de tous les hommes et les traduit malgré eux au tribunal de leur propre conscience. Certes, la difficulté n'est pas d'entendre la voix de Dieu, elle serait plutôt de fermer les oreilles à ses accents, car elle parle d'elle-même. D'elle-même, elle s'insinue dans les âmes et ne cesse de frapper à la porte de nos cœurs. Pendant 40 ans, dit le Seigneur, je me tenais auprès d'eux, répétant sans cesse, leur cœur est égaré. Eh bien, aujourd'hui encore, il est auprès de nous. Il nous parle. Et peut-être aujourd'hui encore, personne ne l'écoute. Il dit toujours, leur cœur est égaré. Et la sagesse, maintenant encore, répète dans les carrefours, pécheurs, rentrez en vous-même. Ce sont en effet les premiers mots que le Seigneur fait entendre. Et c'est par ces paroles que semblent avoir été prévenus tous ceux qui font un retour sur eux. Non seulement elles les rappellent à eux-mêmes, mais encore elles les ramènent et les contraignent de se considérer en face. L'âme. Que produit sur elle cette voix du ciel et ce rayon divin? Ne la force-t-il point à se connaître? N'ouvre-t-il point sous ses yeux le livre de sa conscience? Ne déroule-t-il point à ses regards la misérable trame de sa vie? Ne lui retrace-t-il point toute sa lamentable histoire? Ne porte-t-il point la lumière dans sa raison? Et ne contraigne-t-il point sa mémoire à revenir sur ses pas et à comparaître, en quelque sorte, à ses yeux? Mais voici qu'une voix se fait encore entendre du ciel. Pécheur, renonce au péché. C'est qu'en effet, il faut qu'il en soit ainsi. Quand le cloaque déborde et remplit la maison d'une infection insupportable, il est inutile que vous cherchiez à le vider tant que vous permettrez à de nouvelles immondices d'y couler. Ainsi est-ce en pure perte que vous faites pénitence tant que vous ne cessez pas de pécher. Ce n'est pas là le jeûne de mon choix, dit le Seigneur. Commencez donc par fermer vos fenêtres, mettez de fortes serrures à vos portes, bouclez soigneusement toutes les ouvertures. Et après cela, quand de nouvelles immondices ne viendront plus s'ajouter aux premières, vous pourrez commencer à vous débarrasser des anciennes. Le pécheur, en conséquence, il condamne le ventre à la tempérance et au jeûne, les oreilles à demeurer fermées aux paroles sanguinaires du scandale, les yeux à détourner leur regard de tout ce qui est vanité, les mains à se fermer à l'avarice et à ne s'ouvrir que pour l'aumône. Peut-être même leur impose-t-il l'obligation d'un travail pour les détourner de l'injustice, selon le précepte de l'Écriture. Que celui qui volait ne vole plus, mais plutôt qu'il emploie ses mains à un travail honnête, afin de se procurer de quoi soulager l'indigent, qui vous montrera à fuir la colère à venir. Or personne n'est plus digne de l'éprouver que celui qui couvre ses sentiments hostiles des dehors de l'amitié. Malheur à vous qui vous attribuez non seulement la clé de la science, mais encore celle de l'autorité, qui non content de ne pas entrer, empêchez encore de mille manières que les autres entrent, quand vous devriez plutôt les contraindre à le faire. Vous vous emparez des clés sans attendre qu'on vous les donne. C'est de vos pareils que le Seigneur se plaint par la bouche de son prophète en disant « Ils ont régné, mais ce n'est pas par moi. Ils ont pris le titre des princes, je ne leur ai point donné. » D'où vient donc ce besoin de prélature? D'où vient une ambition si effrénée? Quel peut être le principe d'une si folle présomption? Ceux que le Père Céleste appelle des hommes au cœur pur, ce sont ceux qui, au lieu de rechercher leurs propres intérêts, n'ont en vue que ceux de Jésus-Christ. Et qui ne demande point ce qui leur est utile à eux, mais ce qu'il est à tout le monde. Vous savez bien que ce qu'on recherche avant tout dans un administrateur, c'est qu'il soit d'une fidélité éprouvée. Malheur aux ministres infidèles qui se chargent de réconcilier les autres, quand ils ne se sont pas encore réconciliés eux-mêmes, comme pourraient le faire des hommes justes en tout point. Malheur à ces enfants de colère qui s'érigent en ministres de miséricorde. Malheur à ces enfants de colère qui portent l'audace jusqu'à s'arroger le titre et le rang qui ne conviennent qu'aux hommes pacifiques. Malheur à ces enfants de colère qui se déguisent en fidèles médiateurs de paix pour s'engraisser des péchés du peuple. Malheur à ces hommes qui vivent selon la chair. Incapables de plaire à Dieu, ils ont la prétention de le rendre favorable à leurs frères. Nous ne sommes pas étonnés de voir la vigne du Seigneur vendangée par des ouvriers qui s'éloignent des voies qu'il a tracées. Car c'est avec cette impudence qu'on voit des hommes qui n'ont jamais entendu la parole du Seigneur, les invitant à rentrer en eux-mêmes, ou qui l'ayant entendu se sont enfuis comme Adam pour aller se cacher sous d'épais feuillages, usurper le rang et les fonctions des hommes pacifiques et des vrais enfants de Dieu. Aussi n'ont-ils pas cessé jusqu'à présent de faire le mal. Ils traînent encore les débris du filet où ils ont été pris. Ils n'ont pas jusqu'ici ouvert les yeux sur leur indigence. Chacun d'eux dit au contraire « Je suis riche, je n'ai besoin de rien », tandis qu'il est pauvre, malheureux, misérable et nu. Il ne possède point cet esprit de douceur si nécessaire pour reprendre les pécheurs, en veillant sur eux-mêmes, pour ne point tomber à leur tour dans la tentation. Bien loin de connaître les larmes de la compunction, ils ne savent que se féliciter du mal qu'ils font et se réjouir des pires choses. Aussi, est-ce à leur pareil que le Seigneur a dit « Malheur à vous qui riez maintenant, vous pleurerez un jour ». L'objet de leur vœu n'est point la justice, mais l'argent.
toujours le regard fixé sur de plus hauts honneurs. Ils n'aspirent qu'aux dignités, ils n'ont soif que de la gloire humaine. Ce ne sont point eux qui ont des entrailles de miséricorde. Leur plaisir est de se montrer exigeant et d'agir en tyran. La piété pour eux n'est qu'un instrument de lucre et de profit. Cependant, on les voit avec ces souillures entrer dans le tabernacle du Dieu vivant et habiter dans le temple saint du Seigneur qu'ils profanent par leur présence, provoquant ainsi contre eux 1000 sentences de condamnation par les forfaits dont leur conscience est chargée et par l'audace qu'ils ont de se présenter néanmoins ainsi dans le sanctuaire de Dieu. Assurément, de tels ministres, bien loin d'apaiser la colère de Dieu, ne sont capables que de l'irriter davantage, car ils semblent dire dans leur cœur « Il n'ouvrira pas même les yeux sur nos crimes ». Mes frères, je vous en conjure, épargnez vos âmes, épargnez le sang qui a été répandu pour vous, évitez un affreux danger, prenez garde de tomber dans le feu qui est préparé aux pécheurs. Que la profession de la perfection chrétienne cesse d'être une illusion et montre enfin une vraie vertu sous les dehors de la piété. Fuyez du milieu de Babylone, fuyez et sauvez vos âmes, accourez dans les villes de refuge où vous puissiez faire pénitence du passé, obtenir la grâce de Dieu dans le présent et attendre avec confiance la gloire de la vie future. Que le souvenir de vos fautes ne retarde point votre marche, car ordinairement la grâce surabonde là où le péché a abondé. Que l'austérité de la pénitence ne vous effraye point, car toutes les souffrances de cette vie ne sont rien en comparaison du pardon de nos fautes passées, de la grâce qui, dès maintenant, nous comble de consolation et de la gloire qui nous est promise.